بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Lisez le livre, ouvrez-le. Vous n'êtes pas des spécialistes, c'est pas grave. Rejetez-vous dans le vin. Regardez ce qu'il dit. Lisez-le. Quand il dit Alif Lam Mim Dhalikal Kitab ou la Raiba Fihi ou Dalil Muttaqin, tu comprends pas l'arabe, lis-le dans la traduction. La traduction n'est pas parfaite, c'est pas grave, elle sera jamais parfaite. Mais lis-le, prends-le, essaie de le comprendre. Lis-le déjà en français ou en anglais ou autre chose et aie accès à son sens. Et si tu as la possibilité d'apprendre l'arabe, fais-le. Vas-y. Et en attendant que tu comprennes l'arabe, ou si tu ne peux pas apprendre l'arabe, lis le Coran, lis-le quotidiennement, fais-en la source de tes réflexions. Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'Al-Baqarah s'appelle Al-Baqarah ? La source n'est pas le passé, c'est la révélation. Or la révélation n'est pas passée, elle est là. C'est-à-dire, elle vise, elle parle du transcendant. Le transcendant est au-delà. Quand on dit les principes sont intemporels, ça veut dire ça. Ça veut pas dire... Il y a un certain nombre de choses dont nous parlons. La liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça a été dit de tout temps, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Mais ça reste d'actualité, c'est pas passé, c'est dans ce sens-là. Quand on parle de passé, ça veut dire c'est quelque chose dont la réalité et la pertinence n'est plus pour aujourd'hui. Donc c'est passé. Mais quand quelque chose est toujours là, et que sa réalité est toujours pertinente, c'est pas passé. Donc il faut retourner à cette source-là, la révélation en l'occurrence, le questionnement humain, la création, directement par rapport à ce que nous pouvons faire dès maintenant. C'est-à-dire la révélation, elle est entre nos mains. Ça sert à rien de savoir comment Hamza ibn Abu Talib ou Ali ibn Abi Talib ou les compagnons du prophète ont compris. Ça ne me sert à rien. Ils l'ont compris pour eux. Par contre, ce qui me sert, bon ben j'ai un livre qui me parle. Comment je fais pour le lire directement? Ça me parle. C'est tout le problème de l'interprétation et du commentaire du tafsir. Comme je l'ai dit, l'idéologie ou le besoin de protéger l'ordre social a fragmenté le Coran. On prend des bouts de versets et ensuite on les insère dans une explication idéologique qui correspond à un courant de pensée sunnite, chiite, etc. Et du coup, quand nous sommes dans cette idée de les anciens connaissent mieux que nous, c'est pas vers le Coran qu'on revient, c'est vers ces anciens-là. Parce qu'on estime que c'est eux la source, à travers lesquels on doit lire le Coran. Comme si le Coran était muet, il ne pouvait pas parler de lui-même. Et qu'on pouvait pas le lire lui-même. Et le Coran dit quoi? C'est là où je dis qu'il faut lire le Coran directement, comme quand on lit un livre quelconque. Le Coran nous demande de le méditer, pas de l'interpréter. L'interprétation, je la ramène. J'impose au Coran mon point de vue en vue de lui faire dire ce que je veux. La méditation, c'est déjà, je ferme ma bouche, j'écoute l'ensemble du discours. Je ne le coupe pas en morceaux. Tu ne crains pas la voix de Shaitan ? Justement, mais la voix de Shaitan, elle sert à quoi ? Shaitan, c'est qui ? Shaitan, c'est celui qui divise, qui fragmente la réalité. C'est celui qui ne veut pas relier les choses, qui uniformise ou sépare. Ça, c'est la méthodologie de Shaitan. La méthodologie de la transcendance, du divin, des prophètes, c'est de relier. Parce qu'ils disent que l'ensemble de l'univers chante la gloire de Dieu et que tout est en relation et en osmose. Et qu'on ne peut pas fragmenter une chose en disant c'est ça la totalité de la réalité. D'où ce que donne la foi. Parce que la foi dit à un moment donné, lorsque la raison a atteint ses limites et qu'elle sent qu'elle est en train d'atteindre ses limites, elle sait qu'il y a quelque chose qui est au-delà d'elle. Donc elle arrive à se relativiser, mais pour mieux rebondir et se dépasser. C'est ça le fond de la foi. Comment faire le lien entre objectivité, qui est difficile à atteindre, et subjectivité, qui est inhérent à l'aspect humain parce qu'on est relatif. Il faut à un moment donné faire un travail continu de dépassement d'une part, et pour que ce travail continu de dépassement se fasse, il faut une lecture continue, et pour que cette lecture soit ajustée, il faut une méthode. Or cette méthode, telle que je crois que le Coran le dit, est qui semble toute logique. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble du discours, et pas de fragmenter le propos. Parce que le débat d'aujourd'hui qu'on a au sein de la mondialisation et au sein du monde musulman, c'est qu'on a des carcans anciens qui sont en train de bloquer l'avancée de l'humanité. En lui disant que voilà, c'est la fin de l'histoire. Nous sommes là pour consommer. La démocratie libérale a gagné de partout. Il n'y a pas d'autre système possible. C'est la fin du monde. On ne peut pas imaginer un autre monde. Et en réaction à cela, il y a un recroquevillement chez les religieux et dans les anciennes idéologies. Mais pas, c'est un repli identitaire qui propose que dalle. Donc entre ceux qui disent le présent éternel et ceux qui disent le passé éternel, nous sommes bloqués. Or, il nous faut un horizon. Il nous faut un idéal. Seulement l'idéal, il est forcément au-delà de ce monde. Et ça, c'est la révélation qui joue ce rôle.
C'est le rôle de la révélation d'ouvrir les portes. Oh, il y a un autre monde là qui est possible. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien pour ce deuxième jour de méditation du Coran et de la sourate al-Hadid. Alors là, on est sur Facebook et sur YouTube, mais en même temps sur Instagram. Je vous avoue que je suis très très content d'être présent sur tous ces réseaux en même temps. Et c'est vraiment grâce à l'équipe qui est autour de moi, qui m'aide à être dans les bonnes conditions. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur pour leur soutien, pour leur aide, parce que sans eux, en fait, j'y arriverais pas du tout. Donc vraiment très très content d'être avec vous pour ces moments de spiritualité, je l'espère, de réflexion, de nourriture aussi, du cœur et surtout d'élévation de soi. Une petite introduction avant d'entrer dans le vif du sujet, concernant ces mois, concernant ces jours. Vous savez, l'objectif de ces moments que nous avons ensemble n'est pas vraiment de faire un cours exhaustif, universitaire, de qualité académique intense, c'est pas vraiment le but. Et, il faudrait au fond comprendre ces moments-là comme des moments de spiritualité, des moments d'intensité, des moments où on essaie de s'éduquer, des moments où en contact du livre, nous entamons, nous commençons, nous réalisons une véritable transformation de soi. L'objectif du Ramadan durant 30 jours, c'est ça en fait. C'est de permettre de vaincre son âme, entre guillemets, de permettre à contrôler, orienter, gérer, maîtriser son âme, de vaincre ses passions et de tenter de nous rendre meilleurs. Et pour moi, je ne sais pas si c'est pour vous c'est le cas, mais pour moi, le Ramadan, c'est vraiment une période de reprogrammation spirituelle. Vous voyez, quand j'écoutais cet exemple tout à l'heure d'un conférencier que j'écoutais, et c'était très beau ce qu'il disait, c'est quand à un moment donné votre ordinateur est rempli de virus et vous voyez que ça fonctionne pas, ça ralentit et autres, à un moment donné vous faites un programme de une reprogrammation, reset, vous reprogrammez tout pour tout renouveler. Eh bien le Ramadan c'est disons le ou la reset, je sais pas comment on dit ça, la reprogrammation en fait. De soi. C'est le moment où on fait table rase, où on prend de nouvelles résolutions et où on se donne on se donne vraiment l'occasion de devenir meilleur, de s'éduquer spirituellement, d'acquérir des nouvelles qualités morales, d'être beaucoup plus proche de Dieu, de se faire pardonner, d'éviter pendant les 30 jours qui viennent tout moindre péché, de demander à Dieu de nous pardonner, de nous mettre en proximité avec lui, de prendre le livre, le Coran, et d'en faire le livre quotidien, notre lecture, et qu'on essaye au moins de terminer tout le Coran, ou en tous les cas de prendre des passages clés du livre, et des passages clés pour nous, hein, des passages du livre, et qu'on essaye de méditer, et qu'on essaye de pratiquer. C'est le moment où on évite toutes les formes de médisance, toutes les formes de calomnie, on évite toutes les formes de péché, on essaye de s'y tenir au maximum. Parce que si durant 30 jours, on arrive à tenir, ça veut dire qu'on peut le faire pour le reste de l'année.
Ça veut dire que les habitudes que nous allons acquérir durant 30 jours d'exercice, eh bien, ce sont des qualités qui seront acquises pour toujours. Voyez-vous. Donc, j'espère vraiment que ces moments que nous allons avoir ensemble seront des moments où vous et moi allons faire un travail vraiment de réforme de soi. Voyez-vous. Et de ne pas être dans les excès. Je sais que le ramadan, c'est aussi l'occasion de bien manger. Comme je l'ai dit à un moment donné, il faut bien manger dans le sens qualitatif et non pas bien manger dans le sens qualitatif. Il y en a certains, pendant le ramadan, on dirait ils se vengent. Comme si pour se venger de cette journée durant laquelle on ne peut pas manger, on ne peut pas faire un certain nombre de choses, eh bien, pendant la nuit, alors là, c'est la vengeance, quoi. C'est-à-dire, il se goinfre, mais d'une manière extraordinaire. Il y en a qui arrivent même à prendre du poids pendant le ramadan. Je ne sais pas comment on fait. Ce n'est pas possible, ça. Et donc, voilà. C'est vraiment ce moment de spiritualité, de lecture intense, de méditation. L'imam Malik, radiallahu anhu, ainsi que tous les autres grands savants, pendant le ramadan, eh bien, éviter toutes les formes de distraction autre. C'est que l'imam Malik a arrêté tous ses durus, tous les cours qu'il donnait, toutes les discussions, même autour des hadiths, il arrêtait. Subhanallah. Autour des hadiths, oui, autour des hadiths. Il ne se concentrait que sur le Coran pendant le ramadan, parce que c'est le mois du ramadan. C'est le ramadan, c'est le mois du Coran. Et donc, il faisait en sorte de lire au moins une soixantaine de fois le Coran en entier. Nous, on espère le terminer juste pour le mois. Eux, c'est au moins tous les trois jours, ils le terminaient. Et donc, ils avaient cette proximité intense avec le Coran. Et pour vous dire à quel point est-ce qu'ils étaient très exigeants pendant le ramadan, pour l'imam Soufiane Thaouri, qui est le cinquième grand imam, hein, pour lui, la médisance et la calomnie, ce sont deux actes qui annulent le jeûne. T'as médit, t'as insulté, t'as mal parlé, eh bien, ton jeûne est finish, kaput, out. C'est comme si t'avais mangé ou fait quelque chose ou bu pendant le ramadan. Donc, pour vous dire l'exigence qu'il nous faut avoir, et c'est durant cette exigence, durant ce travail de maîtrise de soi et d'élévation, c'est dans ces moments-là qu'on se rapproche le plus de Dieu. C'est dans ces moments-là que l'on devient le plus humain. Donc, se maîtriser, être en contact quotidien avec le Coran et se donner les possibilités durant ces moments que nous avons ensemble d'élever ses connaissances durant 30 jours. Oui. Donc voilà la promesse que je vous propose de nous faire mutuellement et de nous faire à nous-mêmes. Durant ces 30 jours du ramadan, nous allons faire en sorte d'être meilleurs. Nous allons être plus généreux. Nous allons être plus sages, moins parlants, moins parleurs, moins bavards, et nous concentrer et nous consacrer à l'adoration de Dieu, pas à dormir durant la journée comme certains le font, pas à rester durant toutes les nuits devant des séries télé et des feuilletons, pas à se goinfrer pendant toute la nuit de peur d'avoir un peu trop faim. Non. Il faut pas faire un ramadan de fainéant. Et ni faire des ramadans, les nuits folles du ramadan. Ça aussi, c'est étrange. Il y en a, ils vont même en discothèque et en boîte pendant le ramadan. Non, c'est vraiment des moments, encore une fois, d'élévation spirituelle, où la nuit est consacrée à l'adoration de Dieu, où les journées sont consacrées à la lecture, à la compréhension, à l'élévation et au service des autres. Voilà, c'était ce que je voulais indiquer. Je pense que c'est nécessaire de le dire de temps à autre. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. J'espère que vous avez pris le temps de méditer les passages que nous avions lus hier. Et que, comme je vous l'ai demandé, que vous avez essayé de les apprendre par cœur. Essayez d'apprendre par cœur ces passages-là et de les méditer. Et il y a quelque chose que j'avais oublié de dire hier.
Je vous ai dit que chaque sujet, chaque sorate a son sujet. Qu'on le veuille ou non, chaque sorate a son sujet. Et donc, je vous demande de découvrir le sujet de la sorate al-Hadith. Mais aussi, chaque sorate, le début de chaque sorate est toujours en lien avec la conclusion de la précédente et est toujours en relation avec sa propre conclusion qui elle-même va être en lien avec l'introduction de celle qui vient après. Toujours, pratiquement. En tout cas, j'ai vérifié à plusieurs reprises et j'ai trouvé cela. J'en parle d'ailleurs dans mon livre « Lire le Coran ». Et donc, si vous regardez bien la fin de la sourate précédente, de la 56e sourate, Al-Waqi'a, l'événement, eh bien, elle termine par ce par quoi la sourate Al-Hadid va commencer. Vous l'avez sans doute sous les yeux, j'espère que vous avez un Coran. Le passage termine ainsi. Avec une invitation à glorifier Dieu, Fasabbih bismi rabbikal azim, chante donc le nom de ton Seigneur, le glorieux, le très haut, le grand. Et la sourate qui vient juste après, Al-Hadid, commence ainsi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Les cieux et la terre, tout l'univers, chantent la gloire de Dieu. Le lien est évident. La sourate termine par un ordre de glorification du nom de ton Seigneur. Et la sourate qui vient après commence par un état de fait, à savoir que l'univers entier chante la gloire de ton Seigneur. Et vous allez voir, on va voir la même chose à la conclusion de la sourate, avec son début, avec le début de, avec son propre début, et avec le début de la sourate qui vient après. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et on pourrait revenir sur les passages d'hier, mais je pense qu'on a dit ce qu'on pouvait y dire. Je pense que ce sont encore une fois des choses qui doivent vous pousser à approfondir vous-même et à continuer la réflexion et la méditation. Mon cours ou le live que je fais avec vous, c'est une incitation à la méditation. Mais ce n'est pas un cours exhaustif. Et quand bien même serait-il exactement exalte sa transcendance. C'est très beau ça. Et quand bien même serait-il exhaustif, je n'y arriverai pas en quelques heures. Donc je vous propose de continuer sans plus tarder et à rentrer dans le vif du sujet. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل عليكم آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Aminu billahi, ayez donc foi en Dieu. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Et dépensez donc de ce que Dieu vous a donné en dépôt. Falladhina amanu minkum, ceux qui parmi vous ont la foi, wa anfaqu, eux qui ont dépensé, lahum ajrun kabir, auront une grande récompense. Wa ma lakum, mais pour quelle raison la tu'minuna billahi, ne croiriez-vous, n'auriez donc vous pas la foi en Dieu. Wa rasoul, alors que le prophète, le messager, yad'ukum li tu'minu bi rabbikum, vous appelle, vous invite afin que vous croyiez en votre Seigneur. Wa qad akhadha mithaqakum, alors qu'il a pris de vous un pacte des plus intenses et des plus solides.
In kuntum mu'minin, des plus solennels, in kuntum mu'minin, si seulement vous êtes véritablement croyant. Ou alladhi, il est celui. Yunazzilu ala 'abdihi, qui fait descendre sur son serviteur. Ayatim bayyinat, des signes bayyinat clairs. Des signes clairs, bayyinat. Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, et ce afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière. Wa inna Allaha bikum lara'ufur rahim, et certes Dieu est pour vous ra'uf, plein de mansuétude, rahim, plein de miséricorde et de clémence. Wa ma lakum, et pour quelle raison? Alla tunfiqu fi sabilillah, et ne dépensez-vous donc pas dans la voie de Dieu. Alors que c'est à Dieu qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Ils ne sont pas semblables parmi vous ceux qui ceux qui ont dépensé avant la victoire. Nous reviendrons. Et qui a ensuite combattu. Il n'est pas semblable à celui qui a dépensé après cet événement de la victoire. Et qui a combattu. Et Dieu a certes promis une excellence, une récompense pour chacun. Et certes Dieu est savant, est informé de ce que vous faites. Quiconque, qui donc va consentir un prêt à Dieu, des plus excellents, des plus gracieux, et Dieu le lui rendra au décuple, au centuple, au multiple. Voilà vos ajrun karim, et il aura une récompense pour lui des plus généreuses, des plus nobles. Voilà le passage qu'il s'agit pour nous de méditer aujourd'hui. Peut-être qu'on ira un peu plus loin, peut-être qu'on n'y arrivera pas, on verra. Hier, si vous vous souvenez, nous étions dans la foi, dans les éléments de la vision, le Dieu transcendant, le Dieu magnifique, le Dieu créateur, le Dieu ultime, l'être suprême. Et nous étions en train de méditer, de voyager dans la signification de ces noms sublimes qu'il nous décrit en relation avec la beauté et la grandiose de sa création. Nous étions à méditer ces noms à travers l'univers transcendant, magnifique, beau, en harmonie, qui célèbre sa gloire. Et nous étions, pendant que nous étions dans l'infiniment grand, tout d'un coup, il nous ramenait dans le plus profond de notre intimité. Il est avec nous où que nous soyons, et il sait tout ce que nous faisons. Oui, pendant qu'il s'occupe et il gère l'univers et notre bien-être, il est en même temps au plus près de nous, dans notre intimité, plus proche que nous que notre propre personne. Voilà qui est Dieu. Et c'est cette foi, cette vision du monde qui va venir ensuite poser, fonder le reste de l'action. Et l'action est la suivante. C'est une action d'engagement. Un engagement fondé sur la foi. Oui, deux choses. Il faut donc avoir la foi et il faut donc dépenser. Il faut avoir la pensée et il faut donc aussi la dépense. Et donc, aminu billah. Ce Dieu dont on vous a parlé depuis le début de la sourate, il s'agit maintenant de vous engager, d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui, de croire en lui, de tout faire pour que tout ce qu'il dit de lui soit un élément fondateur de notre être, de notre vision et de notre action. Voyez-vous, il n'y a pas d'action sans vision. Il n'y a pas d'action sans foi. C'est pour ça que vous voyez le Coran dire à plusieurs reprises, en nous décrivant, je l'espère, en décrivant ceux qui adhèrent à ce message, ce sont ceux qui ont la foi, qui ont donc la vision, et qui font le bien. Nous étions dans la vision, nous rentrons dans l'action, et l'action est imbibée de cette vision. Aminu billah. Croyez donc, ayez foi en Dieu. Wa anfiqou, et dépensez.
Mimma ja'alakum, de quoi? De ce qu'il vous a donné en dépôt. Il faut réfléchir là-dessus. C'est qu'il dit que vous devez dépenser de ce dont dépenser de ce qu'il vous a confié. L'argent, la fortune que nous avons est un dépôt de la part de Dieu. C'est un acte de confiance. Il l'a déposé chez nous. Ça ne nous appartient pas en réalité, totalement. C'est cette vision des choses que le Coran commence à nous présenter. Le Dieu à qui appartient toute chose nous a confié une partie de ces choses pour voir ce que nous allons en faire. Notre fortune, notre argent, notre force, nos capacités ne sont que des dons, ne sont que des dépôts que Dieu nous a confiés afin de voir ce que nous allons en faire. Et c'est là le sens même de la khilafa, c'est le sens même de la lieutenance de Dieu. La crise économique que nous connaissons, la pauvreté endémique que beaucoup de pays connaissent, ne sont dues qu'au fait de l'oubli de cette réalité. L'univers entier n'est pas notre propriété, nous faisons partie de cet univers, nous ne sommes même pas nous-mêmes nos propres propriétaires. Et ce que nous retirons de biens et de fortune de cet univers-là, en réalité, nous a été confié par la grâce de Dieu. Et donc, de ce fait, si c'est lui qui nous l'a offert et donné, c'est pour qu'il voie ce que nous allons en faire et que nous soyons à la hauteur de ce dépôt. Et il s'agit donc de le dépenser. Et c'est dans l'oubli de cela que certains gardent et s'accaparent des milliards dans le refus de le dépenser dans la voie de Dieu, dans le refus de le donner aux plus pauvres, dans le refus de le partager. C'est parce qu'ils finissent par croire que le don qu'il aurait fait n'est pas un don, mais un dû, et que ce dû est dû à leur propre personne, qu'ils finissent par oublier la nécessité de purifier ce don par le don. Parce que l'on te l'a donné, tu te dois de le donner. Parce que tu es le fruit de la générosité divine, tu te dois à ton tour d'être généreux. Et donc Dieu te dit, ce qu'il te demande de dépenser en réalité, il te demande de dépenser de ce qu'il t'a donné. C'est logique. Je te l'ai donné, je te demande de le dépenser. Je te l'ai confié, cela ne t'appartient pas en tout. Il y en a qui disent qu'il faut voter Poutou. Je ne sais pas si Poutou serait d'accord avec cette vision coranique des choses. Puisque nos amis de chez Poutou sont de parfaits athées, du moins de ce que j'ai compris de leur vision et de leur théorie du monde. Mais, en tous les cas, il faut prendre la vie et les dons et la fortune que nous avons comme étant un don de la part de celui qui est le pourvoyeur de tout l'univers. Et c'est bien cette vision des choses, au fond, qui permet de faciliter, qui fait du croyant l'être le plus généreux qui soit. Celui qui croit véritablement en Dieu ne peut être qu'ultimement généreux parce qu'il croit en l'ultime générosité divine. Donc, deux choses nous engagent, ou plutôt la foi et la vision que nous avons du Dieu tout-puissant, sage, qui est le premier ultime, qui est le dernier ultime, qui est le savant de toutes choses, qui connaît tout ce qui se passe dans le tréfonds de la terre, comme tout ce qui en sort, qui sait ce qui se passe dans le tréfonds du cosmos et de tout ce qui en descend, qui connaît tout ce que nous faisons et qui est présent au plus profond de notre cœur, cette croyance-là nous engage à deux choses, la foi, la vision, la pensée et la dépense, l'engagement. Et il nous donne à la fois les éléments de cette pensée, la foi, par la révélation, et il nous donne en même temps les éléments de cette dépense à travers le don qu'il nous donne. Nous sommes les lieutenants de Dieu sur terre, et tout ce qui nous est confié sur terre doit être destiné au bien, et le bien, c'est Dieu. Et que le mal ultime se trouve dans notre incapacité à avoir cette générosité.
Le mal ultime se trouve dans notre incapacité à comprendre que, en réalité, nous ne sommes propriétaires définitifs de rien. Nous ne sommes propriétaires que symboliquement, que indirectement, mais le ciel qui fait tomber la pluie, les biens qui sortent de la terre, ce sont là les origines de nos richesses. Et les compétences et les capacités qui sont les nôtres, tout cela n'est pas issu de nous-mêmes. Ce n'est pas issu de nous. La preuve en est, on peut perdre tout cela du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut perdre notre vie. Du jour au lendemain, on peut perdre notre intelligence. Du jour au lendemain, Dieu peut faire en sorte que notre raison parte dans tous les sens. Du jour au lendemain, la sécheresse et la pluie ne tombant plus, nous commençons à voir les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Du jour au lendemain, une guerre qui éclate à l'autre bout de l'Europe, et vous voyez les prix des denrées qui augmentent. Et là, on se rend compte qu'au fait, le riz, l'eau, le pétrole, tout ce qui nous sert au fond à vivre, n'est pas vraiment entre nos mains, et que du jour au lendemain, on peut perdre cela. L'origine, exactement, c'est Elphana, l'origine de nos biens ne sont que des dons du divin. Et ces dons nous ont été confiés. Et il s'agit donc d'en dépenser dans la voie de Dieu. Nous allons déterminer ce que c'est que la voie de Dieu. Mais continuons. Donc, aminou, l'ordre premier, croyez en Dieu, ayez foi en lui, wa rasoulihi, et en son messager. C'est le premier acte fondateur. Et la conséquence de cette foi en Dieu et en son messager, c'est ensuite de dépenser de ce que nous considérons être un dépôt et un don de la part de Dieu. Et en échange de ce don, en échange de cette dépense, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, ceux qui auront la foi parmi vous, وَأَنْفَقُوا, et qui se mettront à dépenser, لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, auront une récompense des plus grandes. Tout à l'heure, on viendra à un moment donné avec la même formule où il dira, ils auront une récompense des plus généreuses. Ajrun Karim, généreuse. Ajrun Kabir, grand. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la récompense grande et la récompense généreuse? Quelle est la différence? Parce que si à un moment donné, le Coran dit à un moment donné Kabir ici et Karim ici, c'est qu'il y a une différence quand même. J'ai appris ça tout à l'heure en écoutant un des dars de mon oncle, le professeur Mohamed Diako. Et ça m'a vraiment interpellé, j'ai trouvé sa bouche, je me suis dit, je vous en parlerai sans doute, parce que je ne l'avais pas vu. Donc je l'ajoute à ma besace. Moi aussi, je t'aime, Fillah et Ari. Merci beaucoup. Mais il disait que Kabir concerne la quantité. Karim concerne au fond ce qui va accompagner cette quantité, le côté, on va dire, symbolique. Par exemple, il va vous donner une grande récompense, c'est-à-dire que quantitativement, c'est quelque chose d'énorme, quelque chose qui ne finit pas. Quand Dieu il dit quelque chose est kabir, c'est que c'est vraiment kabir, c'est que c'est vraiment grand. C'est que quantitativement, c'est une grande récompense qui nous sera donnée. Pourquoi? Ça correspond à quoi? Ça correspond au fait qu'effectivement, nous allons dépenser de nos biens. Nous croyons en Dieu et cette croyance nous pousse à dépenser et donc en récompense, nous avons quelque chose de grand, premièrement. Deuxièmement, quand il dit Karim, généreux, il parle de ce surplus qui vient accompagner le don énorme. C'est-à-dire cette mise en avant, cette... C'est comme quelqu'un qui vous donne de l'argent et qui vous dit « prends ». C'est une chose. Et quelqu'un d'autre qui vous dit « prends, t'es vraiment le meilleur ». Là, c'est le côté Karim qui vient. Il y a un surplus. Il y a le quantitatif qui vient être accompagné par la noblesse, par le geste symbolique, par le côté qualitatif.
Et deuxième chose que j'aimerais aussi indiquer, c'est que vous voyez dans le Coran, à plusieurs reprises, dans différents passages, la Sourate Al-Baqarah et bien d'autres, où le Coran met toujours en exergue la foi et la capacité de donner. Pourquoi? Quel est le lien entre les deux? Continuons plus loin pour approfondir ce questionnement et cette interrogation. Dans le Coran, le mot pardon, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec ma chère maman, le pardon signifie rafou, el rafou. Et le don, ce qu'on doit donner en plus, ça s'appelle el rafou, le même mot. Yas'alunaka madha yunfiqun, nous est-il dit dans la sourate Al-Baqarah. On t'interroge, qu'est-ce qu'ils doivent? Ils t'interrogent, madha yunfiqun, ce qu'ils doivent au sujet de ce qu'ils doivent dépenser. Qulil rafou, le reste, le surplus, ce qui dépasse. C'est ça que vous devez dépenser. Le mot rafou veut dire le surplus que l'on doit donner. Et le mot rafou veut dire aussi le pardon, quand on pardonne. C'est pour ça que quand on fait des invocations pendant le ramadan, notamment pour le jour de Laylatul Qadr, que Dieu fasse que nous puissions être en état d'adoration au moment de cette nuit, eh bien, il y avait cette doua que le prophète alayhi salatu wasalam avait enseignée à Aïcha radiallahu anha, qui lui demandait si aujourd'hui est le jour, la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire comme invocation. Il dit, tu dis, Allahumma au Seigneur, innaka afuun, tu es pardonneur. Tuhibbul afwa, et tu aimes le pardon, fa'afu anna, pardonne-nous donc, ya afuun, ya karim, ô toi qui es le pardonneur, toi qui es le généreux. Parce que la foi, en réalité, c'est un surplus, c'est une augmentation qualitative de soi. Quand on a la foi, on a un surplus en nous. On croit en quelque chose qui est supérieur. On croit au jour de la résurrection. On croit au fait que derrière la mort, il y a la vie. On croit que derrière ce qui sort, il y a un plus. Il faut avoir la foi en Dieu en réalité pour être certain que ce que je dépense me sera rendu. Parce que c'est comme le cultivateur. C'est d'ailleurs l'exemple que le Coran donne dans la sourate Al-Baqarah quand il parle de ceux qui dépensent de leurs biens. Il dit, ils sont semblables à un épi, une graine que l'on va planter sous la terre. Et cet épi ou cette graine va donner un arbre avec des multiples fruits, avec un épi de maïs. Et derrière chaque épi, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous avez des milliers de graines, et ainsi de suite. Et puis vous voyez, avec juste une seule graine, vous avez 700 graines qui vous sont rendues. Mais ça, le cultivateur, quand il donne sa graine à la terre, il a foi en quelque chose qui n'est pas encore là. De même que celui qui croit en Dieu a la foi en la vie qui viendra après la mort, bien qu'on ne le voit pas tout de suite. On ne la voit pas tout de suite. Et celui qui a foi en Dieu a foi en la générosité de Dieu, parce qu'il sait que ce qu'il a reçu venant de Dieu, Dieu le lui rendra, parce que cette générosité n'a pas de fin. Mais celui qui n'a pas la foi, il n'a pas la foi en ce qui est au-delà de la vie. Il n'a pas non plus la foi en la générosité de Dieu. Il n'a pas donc aussi la foi en ce qui viendra compenser ce qu'il vient de dépenser. La dépense est un acte de foi. La dépense est un acte de courage. Voilà pourquoi est-ce que la foi n'est jamais en relation avec l'avarice. Que la foi, c'est la capacité à vaincre son avarice. Il nous est-il dit dans d'autres passages du Coran, que l'on va d'ailleurs étudier dans la sourate Al-Hashr, celui qui arrive à vaincre l'avarice de son âme, voilà ceux qui sont en réalité les gagnants. Vous saisissez? Et donc, ici, il y a une invitation
de la part de Dieu envers la communauté musulmane, envers ceux qui sont autour du prophète, sur lui la paix, de son enseignement, envers nous tous, d'enraciner notre foi et d'enraciner notre capacité à dépenser. Les deux vont ensemble. Plus tu as la foi et plus tu dépenses dans la voie de Dieu. Moins tu as la foi et plus tu es à côté de ton argent, à compter tes biens, à faire en sorte que rien n'y manque. Il y en a même certains, ça leur fait du bien juste de regarder leur compte bancaire et de regarder les chiffres. C'est tout. Et ils n'y touchent pas, ils ne dépensent rien. Ils mettent leur famille dans une situation de pauvreté. Ouais. Ça, c'est les radins. Pauvres, en réalité. Des riches pauvres. Ouais. Et il y en a beaucoup. Des gens qui vont cacher leur argent dans les paradis fiscaux, des gens qui vont tout faire pour ne pas payer les impôts, des gens qui vont tout faire pour ne pas donner aux pauvres, en accusant les pauvres d'être eux-mêmes les responsables de leur pauvreté. Tout cela n'est que signe de pauvreté de l'âme. Tout cela n'est que signe de pauvreté en réalité. L'avarice est la pauvreté même des nations. Les nations qui dépensent sont les nations vivantes. Les nations qui dépensent, les communautés qui dépensent, ce sont des communautés de gens courageux. Ce sont des communautés de gens qui ont la foi en eux-mêmes. Il faut donc que nous nous enseignions mutuellement à la dépense, à ne pas avoir peur de dépenser. Parce que celui qui dépense n'a pas peur de l'avenir. Ceux qui retiennent l'argent, ceux qui veulent tout faire pour ne pas donner, ont peur de l'avenir. Et donc ne peuvent pas investir. Et donc ne peuvent pas construire. Cette communauté musulmane a été fondée par des gens généreux. Et il s'agit d'acquérir cette capacité et cette générosité. Et donc, elle est fondée sur une croyance fondamentale en Dieu, en son messager, et dans le fait que ce qui nous a été donné provient de la générosité de Dieu. Voilà. Sois généreux envers les autres comme Dieu le fut envers toi. Et l'est toujours envers toi. Et il continue. Et donc, la question est posée. Quel est votre problème? Pourquoi est-ce que vous ne dépenserez pas? Mais avant de parler de dépenses, la première question, qu'avez-vous donc? Pour quelle raison n'allez-vous donc pas croire en Dieu? Qu'est-ce qui vous empêcherait de croire en Dieu? Alors que un messager, le meilleur d'entre eux, a été dépêché pour vous. Ce messager vous est venu de sa part. C'est-à-dire, Dieu ne vous a pas laissé dans le vent. Il faut revenir là-dessus. Pourquoi la révélation? Quelle est son importance? Par la raison, nous sommes capables d'arriver à l'idée de l'existence de Dieu. Ça s'impose. Nous sommes capables d'arriver à la conclusion que Dieu existe. Il y a un créateur, un fondateur de cet univers. Très bien. Mais comment rentre-t-on en contact avec le fondateur de l'univers? Comment savoir c'est quoi sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le sens de cette vie? Ça, ce n'est pas en étudiant la création, ce n'est pas en étudiant les sciences physiques et mathématiques que vous allez découvrir cette réponse. Parce que cette réponse-là, nécessairement, est une réponse subjective. C'est une réponse de la volonté divine. Elle n'est pas objective. Dans le sens où il suffit de dire 1 plus 1 égale 2. Elle est de l'ordre de l'intention, elle est de l'ordre de la décision libre et ultime du divin. Il n'y a que lui qui peut nous dire pourquoi est-ce qu'on a été créé. Très bien. La révélation sert à ça. La révélation sert à dire à un moment donné, voilà ce que Dieu veut de toi. La révélation sert à dire, voilà le sens de ta vie. La révélation sert à te sortir, à un moment donné, de l'incertitude quant aux réponses ultimes qui concernent ta vie. Est-ce que tu peux te tromper? Est-ce que vous comprenez? Et donc, il nous a dépêché un messager. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas directement dans le cœur de chacun d'entre nous, après tout? Mais parce qu'à ce moment-là, on ne ferait plus la différence entre nous, nos pensées, et ce que Dieu y veut.
Et à ce moment-là, on ne pourrait même plus faire la distinction entre un menteur et un non-menteur. Ou un véridique. Chacun pourrait dire, j'ai eu une inspiration, Dieu m'a parlé. Et on continuerait aussi. Il n'y aurait plus d'épreuves à ce moment-là. Il n'y aurait plus d'épreuves. En tout cas, quant à la croyance, quant à la foi en l'invisible. Mais il a décidé dans sa toute majesté, il a décidé dans sa générosité, il a décidé dans sa miséricorde de nous dépêcher un messager. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. Pour quelle raison n'allez-vous donc pas croire en votre Seigneur alors qu'un en Dieu, alors qu'un messager vous a été dépêché? لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ. Et alors que, en plus, il a pris de vous un engagement des plus sévères et des plus lourds. Revenons un peu, il faut revenir encore une fois. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, mes chers amis? Regardez le passage. Il a dit, pour quelle raison n'allez-vous donc pas croire en Dieu? Ensuite, il continue, alors que le messager vous invite, ne cesse de vous convier à croire en votre Seigneur. Ici, la traduction est mauvaise parce qu'il dit vous convier à vous soumettre à votre Seigneur alors qu'il ne dit pas ça. وَالرَّسُولُ, alors que le messager, يَدْعُوكُمْ, il vous invite, لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, pour que vous croyiez, que vous ayez foi en votre Seigneur. Donc, ce n'est pas le mot soumission ici, c'est pas la bonne traduction. Pourquoi est-ce qu'il dit d'un côté de croire en Dieu, qu'avez-vous donc à ne pas croire en Dieu? Et de l'autre côté, il dit, alors que le messager vous invite à croire en votre Seigneur. Pourquoi, selon vous? C'est pas un hasard. Oui, c'est là où la profondeur du livre, la profondeur du Coran nous est accessible en posant ce genre de questions. Pour quelle raison dit à un moment donné, pour quelle raison est-ce que le Coran dit d'un côté Dieu et de l'autre côté votre Seigneur? À mon humble avis, et Dieu est le plus savant. C'est que l'invitation, aminu billah, croyez en Dieu, la différence entre le mot Dieu et le mot Seigneur, elle est la suivante. La divinité, Allah al-Uluhiyya, concerne le caractère subjectif, personnel, relationnel avec le divin. Et c'est le caractère libre. J'adhère librement à l'adoration de Dieu. Là où le mot Rabb, le Seigneur, l'enseigneur, concerne l'ordre du monde, concerne la création, voyez-vous, concerne l'ordre naturel qui nous est imposé, que nous ne choisissons pas. L'ordre, le maître de cet ordre-là est le Rabb. Et il s'impose à nous qu'on le veuille ou non. Par la raison, j'accède au Rabb. J'accède par l'observation de l'ordre de l'univers, j'accède à l'idée du Seigneur, de l'existence du Maître. Et après avoir accédé à cet ordre et à son origine, le divin, Allah, le Seigneur, eh bien, il y a une invitation à croire en lui de façon libre. En ayant la foi, on la divinité, c'est-à-dire le caractère libre et relationnel que je décide d'établir avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, en l'adorant. Je ne sais pas si je suis très clair. Voyez-vous? Il y a à la fois Dieu le créateur et il y a à la fois Dieu le révélateur. Il y a l'enseigneur, le créateur, celui qui maîtrise l'ordre du monde et dans lequel nous baignons. Et il y a ensuite la révélation personnelle que Dieu subhanahu wa ta'ala
fait à travers sa révélation et où il nous invite à croire en lui, où il nous invite à adhérer à sa vision, à adhérer à son adoration. Dans le premier cas, il n'y a pas de liberté, cela s'impose. Dans le deuxième cas, il y a de la liberté et c'est le moral et c'est ce sur quoi nous allons être jugés. Mais la divinité, la connaissance de la divinité s'appuie sur la reconnaissance de la seigneurie. Non, la reconnaissance de la divinité s'appuie sur la connaissance de la seigneurie. La seigneurie à travers l'ordre cosmique, la divinité à travers l'ordre moral. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Et donc, la foi, c'est de réunir les deux. Vous avez par exemple des gens qui sont, ils disent être des théistes. Et d'autres qui disent être juste des déistes. Déistes, théistes. Le déiste est dans le domaine de la rububiyya, c'est-à-dire de la seigneurie. L'ordre universel m'indique qu'il y a un créateur auquel je crois. Je sais qu'il y a l'existence d'un être suprême qui a créé ce monde. Maintenant, je ne m'intéresse pas si c'est quoi qu'il veut de moi. Ce sont des déistes. Le théiste croit en l'existence d'un Dieu qui a une attention envers l'humanité, mais qui ne croit pas dans les religions. L'islam, le Coran, la révélation, nous parle des deux dimensions, des deux rapports que nous avons avec Dieu. Le rapport que nous avons avec Dieu à travers l'ordre cosmique, à travers la création, les lois de l'univers et naturelles qui s'imposent à nous. Et nous avons un autre rapport avec le divin, à partir de ce premier rapport, qui est celui de la décision d'adhérer à sa voie, d'adhérer à sa religion, de lui donner, offrir tous nos actes d'adoration, tous nos intentions, pour être reconnaissant envers lui. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ici, il nous dit, pour quelle raison n'allez-vous donc pas croire en Dieu, ce Dieu auquel nous vous invitons, alors que le messager vous invite à croire en votre Seigneur? Le messager nous montre Dieu à travers l'ordre cosmique pour que nous croyions en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Et vous verrez qu'à chaque fois, cela vient à plusieurs reprises, notamment quand vous êtes dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de, quand il dit « Ya ayyuhannas, ô être humain, ittaqu rabbakum » craignez votre Seigneur, « alladhi khalaqakum » qui vous a créé « min nafsin wahida » à partir d'une seule âme, d'un seul être. Et il a créé à partir de cet être-là, Zawjaha, sa père. Et craignez Dieu. Donc il dit deux fois craignez, mais dans le premier cas, ayez conscience de votre enseigneur, de votre maître, de votre Seigneur. Et dans le deuxième cas, et craignez Dieu. Et craignez votre Dieu, craignez Dieu, le Dieu, la divinité, au nom duquel vous vous demandez mutuellement du soutien. Et donc cette dualité entre le Rabb et le Seigneur et le divin Al-Ilah sont liées à ce double rapport que nous avons avec Dieu, un rapport objectif et un rapport subjectif, un rapport fondé sur l'ordre et un rapport fondé sur la reconnaissance du maître de cet ordre-là et du rapport personnel que nous allons établir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Très bien.
Oui, une meilleure traduction d'Allah serait divinité digne d'être adorée. Oui, ça peut être une des significations de toute façon. Même si le mot Allah signifie aussi le plein d'amour. Celui pour qui nous avons beaucoup d'amour et qui nous donne aussi beaucoup d'amour. Ça, c'était mon ami et frère Khalid Roumont qui avait écrit très beau livre, L'amour selon le Coran ou quelque chose comme ça. Le Coran décodé par l'amour, quelque chose comme ça. Oui, il rentre très bien dans l'explication du mot ilah et le lien qu'il y a avec l'amour, l'amour intense que l'on ressent pour l'être suprême. Donc, voilà, quelle est la raison? Comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu alors que son messager ne cesse de vous appeler à croire en votre Seigneur, premièrement. Et ce messager a pris de vous un serment des plus solides. Un pacte a été établi entre le messager et la communauté musulmane. Tous ceux qui se reconnaissent dans ce passage sont concernés. Il y a un engagement. La foi engage. Nous avons un engagement envers Dieu dès lors que nous croyons en lui. Et nous avons un engagement envers notre messager dès lors que nous le reconnaissons. Et cet engagement est ce qui va être détaillé dans toute cette sourate. Si vous deviez, je suis presque en train de vendre la mèche sur le sujet de la sourate, mais la sourate est terminée ici, ça y est. Tout est là. C'est la sourate de l'engagement. Nous allons y revenir. Mais vous saisissez, vous comprenez. Donc, il y a un engagement entre nous et Dieu. Il y a, subhanahu wa ta'ala, il y a un engagement entre nous et son messager. Et cet engagement, c'est de croire en lui. C'est de dépenser dans sa voie. C'est de le soutenir, de soutenir sa cause. De tout faire pour que le bien triomphe. De tout faire pour être fidèle à Dieu. De tout faire pour sa cause. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Si vous êtes véritablement croyants. La croyance, voyez-vous, en islam en tous les cas, mais c'est vrai pour toutes les religions, n'est pas une simple déclaration. Une déclaration sans engagement, c'est du vent. Et ça, c'est important qu'on se le dise. Le fait de dire « je crois » n'est pas suffisant. Cela doit se voir à un moment donné dans ton action. La foi est un engagement. Tu ne peux pas dire « je crois en ce Dieu ultime, grandiose, pour laquelle l'ensemble de l'univers chante la gloire, pour lequel l'ensemble de l'univers chante la gloire, et puis rester tranquillement dans ton lit en train de dormir. Ce n'est pas possible. C'est comme si à un moment donné, on te disait que, je ne sais pas moi, il y a une star que vous aimez. Le président vient chez vous. Non, pas celui-ci. Mais on verra, peut-être un autre. Mais un président que vous respectez. Un être pour qui vous avez beaucoup, beaucoup de respect. Il est invité chez vous. Il dit, je viens chez vous. Et vous continuez à rester tranquillement chez vous à dormir. Bon, soit vous n'avez pas de considération pour cet invité, soit au fait, vous ne croyez pas en sa venue. Mais vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas avoir la conscience de la beauté, de la magnificence de ce Dieu ultime qui nous a créés et qui nous a tant donné et rester comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi est-ce qu'il termine en disant « In kuntum mu'minin » si vous êtes véritablement croyant. C'est la conséquence. Et donc la question qui se pose à nous tous, c'est est-ce que nous sommes fidèles à l'engagement que nous avons pris dès lors que nous croyons en Dieu et dès lors que nous croyons en son messager. Je profite aussi pour approfondir encore plus ici. Parce que il nous est dit de croire en Dieu et de croire en son messager. Et il nous est dit de croire en Dieu. Et le prophète nous a été envoyé pour croire en lui. Et il a pris un engagement des plus importants vis-à-vis de nous. Quelle est donc la place du messager?
Quelle est donc la place du prophète sur lui, la paix? Allez, ça va toi. C'est important parce que il y a un moment. J'ai demandé à ce que on ferme la porte à côté. Il y a un moment donné cette question qui est souvent posée et qui mérite d'être clarifiée. Et j'en profite ici pour en parler, on pourra en parler ailleurs. Croire en Dieu, Dieu subhanahu wa ta'ala est l'être suprême. Face à lui, prophète, messager, ange, être humain, djinn, animaux, cailloux, minéraux, atomes, tout est pareil face à lui. Il n'y en a pas un qui ait une valeur quelconque face à Dieu sur l'entendre. Face à lui, le prophète Mohammed, tout comme un caillou, tout comme moi, tout comme vous, on est tous pareils en face de sa grandeur, et en face de sa magnificence. Il n'y a rien à comparer ici. C'est impossible à mettre. On ne peut pas. Lui-même, le prophète Mohammed, ne dirait pas plus. Il irait même plus loin que ce que je viens de dire. Et ça, c'est ce qu'il nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Il est un serviteur de Dieu comme nous tous. Maintenant, vis-à-vis de nous, entre nous, êtres humains, dans le cadre de la servitude de Dieu subhanahu wa ta'ala, et de fait de lui obéir, bien sûr que le prophète Mohammed est notre exemple. Il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Les prophètes sont nos exemples, et parmi eux, Mohammed, sur lui la paix, est l'exemple ultime. Très bien. Ok. C'est parce que Mohammed est le messager de Dieu et son serviteur que nous le suivons pour être au service de celui pour qui il est le serviteur. Ni plus ni moins. Il ne s'agit pas de mettre le prophète Mohammed à un niveau au-dessus de ce que lui-même a dit de lui. Je me souviens, l'année dernière, quand j'étais au Mali, ou il y a 2 ans, on m'avait invité à un Maouloud. C'était l'anniversaire de la naissance du prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Vous connaissez mon opinion là-dessus, mais quand on m'invite, moi j'y vais, il n'y a pas de souci. Et donc, à un moment donné, ils ont invité un maître soufi qui était venu du Soudan. Et pour moi, il a raconté des énormités avec cette sourate. Hein. Et il disait que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il est le premier, il est le dernier, il est le manifeste, il est l'invisible. Il dit que c'est le prophète Mohammed. Ces passages-là indiquent le prophète. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit que le prophète a la connaissance des premiers, a la connaissance des derniers, que Dieu était venu à lui sous forme de jeune homme et lui a enseigné tout, et qu'il était là depuis le début, le prophète Adam, qu'il est le dépositaire de la lumière de Dieu. Il a raconté des histoires, mais farfelues. À la fin, je lui dis, mais pas au moment de la conférence, parce que bon, faut être sage quand même. Tu peux pas contredire un conférencier comme ça en plein milieu, devant tout le monde. Et, entre-temps, je vais le voir. Je lui dis, mais 2 jours plus tard, on se rend compte. Je lui dis, mais tu as quand même dit des choses qui me semblent un peu bizarres. Il disait que le prophète Mohammed, sur lui la paix, n'a pas d'ombre. Tellement il est lumineux, qu'il n'y avait pas d'ombre, et que même les épouses du prophète, pendant la nuit, eh bien, elles n'avaient pas besoin de lumière, elles se servaient de lui pour s'éclairer. Et franchement, je me suis dit, il n'a pas respecté le prophète, tu fais passer le prophète pour un lampadaire. Tu n'as pas honte. Donc, toutes ces histoires-là, moi, je lui dis, mais en fait, tu es en train de dire que le prophète n'est pas un être humain. Il dit, non, c'est un être humain, mais pas comme tous les êtres humains. Et dans la discussion qu'on avait ensemble, je dis, mais les passages que tu es en train d'interpréter dans ce sens-là, ils ne disent pas ça. Le début de la sourate dit,
Le début de la sourate, c'est ça. Chante la gloire de Dieu, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, l'univers entier. C'est comme ça que ça commence. Et toi, tu dis que wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Il est omniscient de tout. Il dit que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était omniscient. Ah, pas d'exagération. Et ça, certains de nos maîtres soufis et certains de nos confrères soufis sont férus de ces histoires farfelues. Et à un moment donné, dans la discussion, on débat, je dis, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il me dit, mais donc toi, tu ne crois pas en la baraka du prophète, dans la baraka des chouyours. Parce qu'avant, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'amuse à raconter ça sur le prophète, salam. Et il y en a un qui a répondu. Il dit, mais si c'est possible pour le prophète, salam, ben, ça doit être possible pour les chouyours. Hein, pour mieux dominer les êtres humains. Le cheikh, il arrive à s'accaparer le cerveau des gens avec ses histoires parfaites. J'ai fait un rêve. Voilà. C'est pas Martin Luther King qui parle ici. Hein. C'est un charlatan. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé de ceci. Le prophète m'est apparu, il est venu, son âme m'a parlé. Il m'a donné une nouvelle révélation. J'ai discuté avec Djibril. J'ai parlé avec Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Je suis parti jusqu'au Arsh. Pourquoi ? Ils disent parce que c'est possible, parce que si tu atteins un certain niveau, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, même si tu n'es pas comme le prophète, mais si tu suis sa voix, tu peux atteindre ces degrés de spiritualité qui te permettent de connaître l'invisible. Kalam farir, le prophète n'est qu'un être humain. C'est ce que le Coran dit en long et en large. Innama ana basharun, je ne suis en réalité qu'un être humain. Yuha ilayya, à qui il est révélé? Yuha ilayya, à qui il est révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est tout. Mais c'est déjà beaucoup de recevoir la révélation. Parce que pour beaucoup, en fait, ça, c'est rien. Il faut lui rajouter des pouvoirs suprêmes. Comme si le simple fait de recevoir la révélation de Dieu et d'être choisi par Dieu pour transmettre son message, ce n'est pas déjà quelque chose. Ça, c'est sur le côté mystique. Maintenant, sur le côté législatif. J'étais avec les mystiques, les soufis. Maintenant, allons du côté des théologiens et du côté des juristes. Le prophète Mohammed, de même qu'il est en état de serviteur et de transmetteur dans le domaine de la révélation et dans le domaine mystique, il a certes un degré spirituel plus élevé que nous, c'est le prophète Mohammed, mais en tant que serviteur. Eh bien, dans le domaine législatif, pareil, il n'est que transmetteur. Mais quel transmetteur? C'est un transmetteur qui comprend son message. Il n'est que transmetteur. Mais un transmetteur qui comprend son message et qui est le premier à l'avoir appliqué. Donc, en tant que tel, c'est un exemple. C'est un exemple dans sa transmission. Elle est infaillible. Ici, il n'y a pas de doute possible. Dieu lui-même dit que le prophète a transmis le message. Bon, celui qui ne croit pas en cette transmission, il n'est plus musulman à ce moment-là. Bon, c'est pas grave, tu as le droit. Mais c'est une donnée de foi, en fait. Si tu penses que le prophète, alayhi salatu wassalam, a trahi ou qu'il n'a pas transmis le message, bon, ben, t'es pas croyant. D'ailleurs, c'est une donnée de foi, premièrement, et on peut aussi l'expérimenter en regardant le Coran. Mais, premièrement, c'est un transmetteur. Deuxièmement, il a bien compris son message. C'était pas un postier. Et là, je suis pas d'accord avec nos amis coranistes. Autant je donne la priorité au Coran, mais attention. Priorité au Coran ne veut pas dire qu'on délaisse le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas avec le Coran. Tu es en train de créer une nouvelle secte et tu te sers du Coran comme un prétexte. Donc, il y a des fois, vous avez des gens qui sont virulents envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu as envie de dire, hey, frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Même si Dieu ne nous avait pas demandé de le suivre, on le suivrait juste parce qu'il a changé le monde. Alors, à plus forte raison, dans le domaine religieux, je vais suivre son exemple. Parce que c'est lui qui me l'a transmis et qui l'a le mieux compris. Et donc, il est aussi le premier applicateur du Coran. Il a appliqué, notamment, c'est les domaines qui concernent les relations directes avec Dieu, le domaine cultuel. Ça, il n'y a pas d'ijtihad. C'est pas « je pense que ». C'est pas un ijtihad ici. C'est transmis dans le Coran et appliqué par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça, cette application du culte participe de la transmission du message. Ici, il n'y a pas moyen de faire une erreur ici. Par contre, dans les autres domaines, la vie sociale, la vie civilisationnelle, le prophète est resté sur les principes,
alayhi salatu wassalam. Il a certes appliqué pour son époque, mais rappelez-vous, il a demandé à ce qu'on efface ces hadiths. Effacer les hadiths, ça ne veut pas dire effacer sa sunna. La sunna, c'est l'application. Son application nous est venue. La pratique du culte, la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, la pratique de la morale, ça, ce sont des choses qui nous sont transmises de façon unanime. Les sources et les racines sont dans le Coran et leur application, on les reconnaît. Il n'y a pas de contradiction entre les deux sources. Donc, il n'y a pas à réinventer la prière, à se mettre dans des situations pas possibles où à un moment donné, tu ne sais plus comment prier, ni comment jeûner, ni ceci, ni cela. Et tout. Ah, oui, mais tout est dans le Coran. Oui, tout est dans le Coran, mais pas de la manière dont certains gens stupides le pensent. Genre, tu vas chercher ta recette de gâteau. Tu ne vas pas trouver de recette de gâteau dans le Coran. Tu ne vas pas trouver la relativité d'Einstein dans le Coran. Quand on dit tout est dans le Coran, c'est comme quand, à un moment donné, vous envoyez quelqu'un. Et vous lui dites, je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit, mais par rapport à quoi? Je t'ai tout dit par rapport à la chose pour laquelle je t'envoie. Je t'ai tout dit, j'ai tout mis. Concernant cette affaire. Donc que la personne, à un moment donné, ne dise pas, ouais, mais t'as pas mis le nom de grand-père dedans. Mais quand on dit tout, c'est tout concernant cette situation-là. Tout concernant la religion. Tout concernant le divin. Tout concernant notre compréhension du monde. Oui, tout y est. Tout y est. Maintenant, il a décidé de ne pas parler des détails de la prière. Sans doute, certains d'entre vous ont regardé certaines de mes vidéos où je dis que si, il y a quand même des éléments de la prière dans le Coran. Mais c'est à qui que je répondais? Je répondais à ceux qui s'amusent à dire que le Coran sans la sunna, c'est rien. Astaghfirullah al-Azim. Parce qu'il y en a qui sortent ces bêtises-là. Ils disent, oui, le Coran, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le lire, il faut que tu fasses référence au hadith. Qui a dit ça? C'est n'importe quoi. Donc, non. Ah, et ils te disent, oui, le Coran n'est pas autonome, il a besoin de la sunna, la preuve en est, il n'y a pas les cinq prières, les cinq piliers de l'islam ou les prières dans le Coran. Donc, ils veulent diminuer le Coran, sa clarté et son caractère ultime parce que tu n'as pas trouvé les détails de la prière dans le Coran. Ah bon? Si Dieu, subhanahu wa ta'ala, a décidé de ne pas mettre les détails de la prière dans le Coran, il y a une sagesse. Dis pas que le Coran n'est pas clair, parce que toi, tu n'as pas trouvé ce que toi, tu y voulais. Le Coran est clair dans ce qu'il dit. Maintenant, il a décidé de mettre certains détails entre les mains de son messager. Je t'ai donné les racines, la prière et les grandes lignes. Maintenant, toi, Mohammed, montre son application concrètement. Il a décidé de le faire. Il fait ce qu'il veut. Tu n'as pas reproché à Dieu, sur l'intérieur, de faire ce qu'il veut. Premièrement. Deuxièmement, quelle est la sagesse? La sagesse, elle est la suivante, mon ami. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Faut pas se la raconter devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. La sagesse, elle est la suivante. Le Coran s'adresse à tout le monde, à toutes les religions, à toute l'humanité. Très bien. Il parle de la prière des autres catégories de religieux, des autres traditions. Eux, ils prient dans leur tradition. Nous, nous prions dans notre tradition. Mais nous avons tous le même principe. Le fait de se tenir, le fait de s'agenouiller, de s'incliner, le fait de se prosterner et le fait de glorifier Dieu et de lui demander son pardon. Ça, ça existe dans toutes les prières, c'est le principe même de la prière. Après, la manière particulière dont chacun prie, c'est comme quand le Coran parle des oiseaux qui prient. Ah, tu attends de voir comment tu veux dire à l'oiseau qui prie de se prosterner, de se tenir debout et de réciter la Fatiha? Non. Donc, le Coran est un livre universel et cosmique qui s'adresse à l'humanité. Ne le renfermez pas, ne le renfermons pas dans nos préoccupations communautaristes et communautaires. Mais, attention, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, peut ramener quelque chose qui n'existe pas dans le Coran? Non. Non, non, non. Tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, fait, d'une manière ou d'une autre, même indirectement, mais de très très loin, vous en verrez les racines à un moment donné dans le Coran. Vous le trouvez pas, faites preuve de profondeur, pas profondeur, il est là-bas. Il est quelque part ici. Maintenant, tout ce qui nous est donné de lui,
transmis de lui de façon sûre et en conformité avec le Coran, on le prend. Il n'y a pas de discussion, les amis. Il faut qu'on arrête. On n'a pas le temps de se chamailler sur le côté culturel ou religieux. Et ça, c'est le côté, c'est cet aspect-là qui, bon, je vais le dire, qui m'énerve quelquefois. De la part de part et d'autre des camps, hein, ceux qui m'accusent d'être coraniste et les coranistes qui m'insultent d'être un sunnatisme ou d'un hadith, ces deux camps, pour moi, nous mènent dans des discussions qui ne nous mènent nulle part. Pour quelle raison je dis ça? Ils viennent vous voir et pour eux, subhanallah, la nouveauté, la grandeur, la solution ultime qui va sauver l'humanité, c'est de revenir sur les questions de combien de fois on doit prier dans la journée. T'es sérieux? C'est ça la solution que l'islam apporte au monde. Qu'on revienne sur des choses qui sont clairement définies dans notre religion, 1400 ans plus tard. Ils viennent vous voir et ils vous parlent de pourquoi est-ce que les ablutions ne sont pas écrites dans le Coran comme nous on le fait. C'est ça tes questions. Et puis par contre, vous en avez d'autres. Ils vous ramènent tous les hadiths farfelus de la terre, soi-disant parce que c'est dans Borel et des musulmans, où tu sais que tu vois frontalement que non, là, c'est en contradiction avec le Coran, ou bien c'est quelque chose qui concernait leur époque, ça ne nous concerne pas. Et ils viennent vous empoisonner la vie avec ça. Ils viennent vous empoisonner la vie. Vous êtes là, vous êtes en train de dire aux gens, venez, mobilisons-nous, il faut qu'on vote, il faut qu'on se lance en politique, il faut qu'à un moment donné, les principes qui sont les nôtres, qui sont des principes universels et qui peuvent intéresser le monde entier, tous ceux qui ont un esprit saint, peuvent être interloqués et intéressés par ces valeurs que le Coran nous donne, ils viennent te voir et vous disent, ils sortent un hadith de je ne sais pas où, qui disent, ouais, il est haram d'aller voter pour un kafir ou celui qui donne le pouvoir à celui qui ne le mérite pas, il ne fait pas partie des nôtres. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on n'est pas dans cette situation-là. Justement, allons voter et désigner pour celui qui le mérite. Celui qui le mérite, ce n'est pas qu'il a la foi. Là, on est dans la politique. On n'est pas dans la désignation de celui qui est en train de faire la prière. Là, on doit désigner celui qui est le plus juste. On doit désigner celui dont le programme se rapproche le plus de nos valeurs et du bien-être de la société. Qu'est-ce que tu vas me sortir un hadith? Je ne sais même pas s'il est vrai, hein, parce que je n'ai même pas le temps de le traiter, premièrement. Et deuxièmement, alors qu'il y a le Coran et ses grandes lignes qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Ces deux camps sont en train de nous empoisonner. Le prophète Mohammed est incontournable en tant qu'exemple. Celui qui remet ça en cause. Akhi, t'as qu'à aller expliquer ça devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais c'est parce que c'est un exemple incontournable que je refuse les hadiths farfelus qui lui sont prêtés et qui le dénigrent. Que je refuse les hadiths farfelus qui viennent à un moment donné nous restreindre à la vie bédouine de l'époque. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous croyons en Dieu et nous croyons en son messager. Nous croyons dans le contenu de ce message qui nous a été transmis. Nous croyons dans le fait que le prophète alayhi salatu wasalam a été honnête dans la transmission de ce message. Parce que le Coran lui-même le dit, s'il trahissait ne serait-ce que d'un peu la parole de Dieu, on l'attraperait et on lui couperait la horte. Il mourrait immédiatement. Vous saisissez? Donc, alors que son messager, yadu'ukum, il vous appelle, il vous invite, et tout minu berabbikum, à croire en votre Seigneur. Waqad akhada mithaqakum, et il a pris de vous un engagement des plus solides, in kuntum mu'minin, si vous êtes véritablement croyant. Là, toute la question est là. Huwa alladhi, il est celui, Dieu donc. Yunazzilu alaykum. Huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi. Il est celui, j'arrête pas de me tromper depuis tout à l'heure entre ce passage et un autre passage. Huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi. Il est celui qui fait descendre sur son serviteur, Allahu Akbar. Son serviteur. Mohammed, alayhi salatu wassalam, est le serviteur de Dieu, tout simplement. Ou allazi yunazzilu ala 'abdihi, qui fait descendre sur son serviteur, ayat, des signes.
Beginettes qui sont claires en soi et qui clarifient. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit croire. La question de la foi, ce n'est pas une question mystérieuse. J'écoutais Mélenchon il n'y a pas longtemps, et ça c'est l'idée un peu farfelue de beaucoup de religieux, mais sans doute influencés, et athées aussi, mais sans doute influencés par la vision chrétienne, qui disent, dans la foi, il n'y a pas de raison. On ne raisonne pas. On a la foi et c'est tout. Donc, on ne peut pas discuter avec les gens dans la raison. Oui, ça, c'est vrai peut-être pour le christianisme et les autres religions, ou même dans les sectes musulmanes, je ne dis pas islamiques, musulmanes un peu farfelues qui essaient de faire croire en des choses incroyables. Dans le Coran, la foi est fondée sur la raison. Attention, ça ne veut pas dire que la foi ne dit pas des choses qui sont au-delà de la raison. Si, si, si. La foi nous annonce des choses qui sont au-delà de la raison. Cependant, c'est au-delà de la raison pour que nous y croyons, nous invite à nous fonder sur la raison. Il parle à notre raison. Et les signes, la foi, qu'est-ce qui fait qu'il a tout fait pour que nous croyons? C'est le fait qu'il nous ait envoyé une révélation aux preuves évidentes, des signes clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Tout est clair et net et précis. Voilà pourquoi est-ce que les religieux qui vous amusent, s'amusent quelquefois à vous dire, et on en parlera dans la sourate Al-Mujadala, Inch'Allah. Ceux qui vous disent à chaque fois qu'ils veulent faire des cercles restreints, qui sont toujours en train de donner des formules bizarres, des formules que seuls les initiés peuvent comprendre, sont les plus éloignés de la voie de Dieu. La voie de Dieu est claire, comme le soleil dans le ciel. Il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas de mystère. Le seul mystère dont il parle, c'est le mystère invisible, le mystère impossible auquel on doit croire. Mais tout ce qu'il nous dit est clair, recevable, entendable, compréhensible. Yom al-Qiyam, on ne pourra pas dire à Dieu subhanahu wa ta'ala, tu as parlé un langage qu'on n'a pas compris. Non, non, non. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam, ne créait pas des sectes. Ce n'était pas le sectaire à côté qui font une sorte de franc-maçonnerie. Je me rappelle, il y avait quelqu'un avec qui j'avais fondé un mouvement à l'époque qui s'appelait Cité en Mouvement. Et puis le frère, il disait, on doit faire comme les francs-maçons. On doit se réunir entre nous. Bon, il avait, à mes yeux, en tout cas, regardé trop de bandes dessinées. C'est pas comme ça. Je suis un peu méprisant, pardon. Mais à plus forte raison dans le côté religieux. Ils vous créent des sectes entre eux. Alors, entre eux, ils se connaissent. Ils prient avec nous. Mais ils ont un autre régime spécial entre eux. Ils se cooptent entre eux. Ils disent des choses entre eux en secret que le reste du monde ne connaît pas. Quelquefois, ils utilisent même le même langage que nous, mais ils n'y mettent pas la même signification. Le Coran est loin de toutes ces choses-là. Wallahi, Dieu, il est celui, et vous devez être reconnaissant envers lui pour cela. Yonas Zilou qui fait descendre sur son serviteur, le Rasoul et son serviteur, ayat des signes, bayinat qui sont clairs et clarifiants. Et pour quelle raison? Pourquoi cette clarté? Pour une seule raison. Pour vous faire sortir des ténèbres, il a nous vers la lumière. Voilà. Voilà le but. Le but de la révélation. Le but du messager. Le but de ces signes clairs et de leur caractère clair n'est que ceci. Vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres de l'ignorance et de la mauvaise vision vers la lumière de la foi et de la connaissance. Voilà ce qu'est la révélation. Et le Coran, quand il descend, c'est cette transformation radicale qu'il fait dans toute la société et dans le monde entier. Le monde entier. Ceux qui pensent que l'islam, c'est la fin du Moyen-Âge, de l'époque médiévale, se trompe. La modernité, c'est-à-dire la sortie de la vision des anciens, commence avec le Coran. Tout ce qui concerne la question de l'homme, de sa dignité, de son rapport avec l'univers, de son rapport avec le divin, d'en faire un être digne en soi, responsable, libre, de fonder la politique sur la concertation, d'observer l'univers, d'utiliser sa raison,
de faire preuve de science, de compréhension, de chercher les arguments rationnels, tout cela commence avec le Coran. Avant, le Coran, ça n'existait pas. Ou ça existait, mais ça a été complètement oublié et mis de côté dans les superstitions. La révélation du Coran est une véritable révélation, libération de l'esprit. L'être humain, l'humanité fait un bond phénoménal. Tous les historiens vous le disent. Il nous faut revisiter l'histoire de la révélation d'Islam et de son arrivée et revoir au-delà des catégories occidentales. Parce que les occidentaux, ils ont tendance toujours à enfermer les choses à l'aune de leur vue. La modernité n'a commencé qu'avec eux. D'ailleurs, ils utilisent le mot modernité, eux-mêmes. Et l'éveil de l'humanité n'a commencé qu'avec le miracle de l'Occident qui s'est tout d'un coup réveillé en se connectant avec avec l'héritage grec. Et on fait en sorte d'éliminer les pharaons, la civilisation pharaonienne et la civilisation mésopotamienne, en disant que c'est les Grecs qui tout d'un coup ont eu le génie. Et de l'autre côté, on efface la civilisation musulmane en disant que ce sont les occidentaux qui ont tout découvert d'un coup, toutes les découvertes scientifiques, c'est eux. Alors de temps en temps, on va vous parler des musulmans, de l'islam, en disant qu'ils étaient juste des simples transmetteurs, des transmetteurs de l'héritage grec et de basta, et c'est tout. Non, mon ami. Les choses que nous vivons aujourd'hui ont commencé avec la révélation. Et il faut une deuxième compréhension, cette fois cosmique, du Coran, qui nous permette de sortir encore de la mouise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, ténèbres philosophiques, ténèbres spirituelles, ténèbres politiques, ténèbres écologiques. Mais ça, il faut qu'on soit à la hauteur. Donc le but de la révélation, c'est ça, nous sortir des ténèbres pour nous faire venir vers la lumière. C'est tout. Voilà. C'est le but de la révélation, les amis. Et pour quelle raison? Quel est le but de cela aussi? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Ça, c'est pour répondre à ceux qui pensent que Dieu ne se préoccupe pas de l'univers, ne se préoccupe pas de ses créatures, que Dieu, au fond, ne nous aime pas. Que Dieu, au fond, il nous a créés, puis il ne s'intéresse pas à nous. Il dit, « Wa inna Allah, et car Dieu, bikum, pour vous, la ra'ouf, est plein de mansuétude. Rahim, est plein de miséricorde. » Allah. Et comme disait mon petit frère Ali, maintenant il est très grand, mais à l'époque, il me disait tout le temps, « Papa !» Non, il ne disait pas « Papa », ça c'est mon fils. Il disait, « Taousman, mais Dieu, il est gentil !» Dans son langage tout petit, je me rappelle, ça m'avait marqué. C'est que oui, Dieu est gentil. Mais, c'est-à-dire, la révélation est en soi une marque de miséricorde et d'attention envers de la part du divin envers nous. C'est-à-dire, nous, simples poussières de je ne sais pas quoi dans l'univers, Dieu nous intègre dans son attention. Vous vous souvenez de la distinction que je faisais entre la seigneurité et la divinité? La seigneurité concerne l'ordre du monde dans lequel nous nous trouvons. La divinité concerne le rapport objectif, subjectif que je vais avoir avec, personnel que je vais avoir avec le divin. Le début de la sourate concernait quoi? Le début de la sourate concernait l'ordre de l'univers. Ici, nous parlons de la création. Ici, maintenant, nous parlons de la révélation. Et dans les deux cas, il y a manifestation de l'attention et de l'intention divine. L'attention divine, nous le recevons à travers les bienfaits que nous avons dans cet univers. L'intention divine, qui est une autre attention de sa part, nous la recevons dans la révélation. Et tout cela, pour quelle raison? Parce que Dieu est plein de mansuétude. Dieu veut pour nous du bien. Vous savez, souvent je m'attriste quand j'entends nos imams, quand j'entends nos prédicateurs, partout dans le monde, en tout cas là où je vais, quand ils nous présentent Dieu comme étant un Dieu punisseur, un Dieu, astaghfirullah al-azim, que Dieu me pardonne, mais c'est pas lui.
C'est le Dieu qu'on a, l'idole que nous avons créé. Un Dieu assoiffé de punition. Ce n'est pas son but. Dieu est plein de mansuétude. Dieu est plein de miséricorde. Ce qu'il veut pour nous, c'est notre bien. C'est notre bonheur. Ultimement, ce qu'il veut, c'est nous faire rentrer au paradis. Mais dans sa miséricorde, il y a aussi la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, la miséricorde n'a pas lieu d'être. Et cela, à un moment donné, nous fait tomber dans ce qu'il veut nous éviter, le malheur. La punition, la sanction, l'avertissement. Une fois, j'avais dit ça à quelqu'un, je disais, mais tu te plains du fait que Dieu a créé l'enfer, mais déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller manifester? Tu vas faire un... On veut éteindre les feux de l'enfer? Dieu, pourquoi tu as créé l'enfer? Tu vas faire quoi? Donc, déjà, calme-toi, on n'est que des êtres humains, Dieu fait ce qu'il veut, premièrement. Deuxièmement, il t'a prévenu qu'il y a un enfer. Fait qu'imaginez, il ne nous avait pas dit qu'il y avait un enfer. On meurt, et bim bam, on se retrouve devant un feu ardent. Il aurait pu ne pas nous prévenir. Est-ce que le fait de nous prévenir n'est pas déjà en soi un signe de miséricorde? Nous prévenir qu'il y a une punition est déjà en soi une miséricorde. Et ceux qui pensent que non, la vraie miséricorde, c'est qu'il n'y ait pas de sanction, ces gens-là ne veulent pas la miséricorde pour l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, là, tous les violeurs, tous ceux qui ont détourné de l'argent, tous ceux qui fomentent des guerres, tous ceux qui tuent des gens par centaines de milliers, rien. Il n'y a pas d'équilibre à un moment donné. Ils meurent et c'est tout, tout va bien. Et on se retrouve tous après au paradis. Et elle est où la justice à ce moment-là? Or, le but de la religion, ce n'est pas que les choses se passent bien dans l'au-delà. Il nous parle de l'au-delà pour que les choses se passent bien dans l'ici-bas. Et ça, c'est un signe de miséricorde. Et donc, cette révélation nous est donnée de la part de Dieu par mansuétude et par miséricorde. Donc, des signes clairs. Pas besoin de sectes ou de mots cachés ou de mots mystérieux et compliqués. Pour quelle raison? Parce que il veut nous sortir des ténèbres vers la lumière. Quel plan, nous-mêmes ici, aujourd'hui, allons-nous mettre en place pour sortir l'humanité, pour sortir les musulmans d'abord et l'humanité en même temps et ensuite des ténèbres vers la lumière? Il faut définir ces ténèbres. C'est les ténèbres de l'idolâtrie. C'est les ténèbres de l'indignité. C'est les ténèbres de l'ignorance. C'est les ténèbres de l'injustice, c'est les ténèbres de la superstition, c'est les ténèbres de la violence, c'est les ténèbres du manque de solidarité. C'est les ténèbres, plusieurs ténèbres, et il y a une lumière, et il s'agit d'en sortir. Sortir de ces ténèbres vers cette lumière, c'est le but. Et la finalité, oui, la raison, et maintenant la finalité, pourquoi? Par simple miséricorde de la part de Dieu, voilà, c'est tout. Le but ultime de la création, pourquoi Dieu nous a créés, si quelqu'un pose un jour cette question, par miséricorde, par générosité, c'est tout. Il y a les buts de la création, la vérité, et il y a la finalité. D'où, quel est le but ultime de cette volonté? Miséricorde. Toute la religion est fondée là-dessus. Et quand vous entendez nos prédicateurs, même les musulmans, la manière dont on parle de Dieu, mais c'est triste. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au livre et changer notre compréhension du monde. Changer notre compréhension de Dieu. Notre idée de Dieu doit être réformée. Parce qu'elle est problématique. Nous avons un Dieu qui correspond à nos tyrans. Les tyrans qu'on a, les dictateurs que nous avons dans nos pays. Nous avons un Dieu, nous avons créé, façonné un Dieu, les théologiens, les fuqara, les juristes, les gouverneurs ont façonné une idée de Dieu qui correspond au maintien de leur pouvoir. Parce que plus vous faites peur aux gens, et mieux et moins ils peuvent bouger, et moins ils peuvent contester, et moins ils peuvent questionner, et moins ils peuvent remettre en cause l'ordre des choses.
Pour que la dictature perdure, il faut fabriquer dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, un Dieu qui correspond à cela. Un Dieu qui vous fouette, un Dieu qui vous fait peur, un Dieu qui vous met toujours dans une situation de stress existentiel et spirituel intense, où vous avez peur du moindre péché, où vous en fait, quand vous sortez de la route bas, vous vous dites que moi, je suis mort, je vais aller en enfer. Quels que soient les efforts que je vais faire, hein, je vais aller en enfer. Alors que ce n'est pas comme ça que le prophète a laissé la toi salam présenter Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Il faut présenter le Dieu de miséricorde, le Dieu universel, le Dieu qui inspire cet oiseau à protéger ses oisillons. Ce Dieu qui est présent dans l'utérus d'une maman et vient protéger l'enfant et le nourrir. Ce Dieu qui nous révèle, qui se révèle tout le temps au début de chaque sourate, sauf une, pour nous dire au nom de Dieu, le plein d'amour, celui dont la clémence embrasse toute chose, le tout miséricordieux. Le Dieu qui parle de lui en étant le pardonneur, Nabbi Aibadi, informe mes serviteurs, Anni, que moi, mon essence, Al al-Ghafur al-Rahim, je suis le pardonneur, le plein de mansuétude. Et que Inna adabi, et que c'est plutôt mon châtiment, mon action ici, pas mon essence, qui est le châtiment le plus douloureux. Mais que moi, d'abord Dieu, je suis plein de mansuétude, plein de pardon. Tu as fait un péché, tu le regrettes, je te le pardonne immédiatement. Tu penses à un péché, mais tu ne le fais pas, je te l'inscris comme étant une bonne action. Tu fais une bonne action, et je te l'inscris en 10 récompenses, voire plus. Tu fais un péché en cachette, personne ne t'a vu, ça reste entre toi et moi. Ne t'inquiète pas. Tu veux revenir vers moi, je reviens vers toi. Il n'y a pas de souci. Tu peux remplir la terre entière, le ciel entier, de tous les péchés que tu connais et que tu reviens à moi sincèrement en me demandant pardon, je te pardonne tout ça. Tout ça, je l'efface. Voilà qui est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voilà qui est dit. Et toute la religion, toute la charia, tout le Coran vise cet objectif-là. Tout ce qui va à l'encontre de cette finalité n'est pas islamique, quand bien même vous prenez des bouts de Coran, quand bien même vous allez chercher des interprétations à droite à gauche, ça n'est pas islamique. Il faut avoir en tête cette vision et cette finalité. Dieu n'a pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux. Voilà comment il parle au prophète alayhi salatu wassalam et à nous. « Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa » Nous n'avons pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Ça n'est en réalité qu'un rappel. L'iman yarcha pour celui qui est plein d'humilité. C'est la descente, la révélation de la part de qui? De celui qui a créé la terre. Et les hauts, les cieux sublimes. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allah. Voilà, c'est quoi la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Elle est infiniment plus grande que ce qu'on peut imaginer. Et ce n'est pas nos petits péchés, moi le premier, qui vont faire que sa miséricorde sera éliminée de notre vie. C'est impossible. Et il est bon de dire aux gens, les amis, quand le Coran parle de l'enfer, et ce n'est pas de nous dont il parle, subhanallah, c'est pour les récalcitrants, les fous furieux, les criminels, les violeurs, les criminels, ceux qui détournent des biens sociaux de ouf. Voilà ceux qui iront en enfer, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Tout à l'heure, ce matin, je lisais ce passage du Coran de la sourate Qaf, et il décrivait celui qui ira en enfer. Et je me disais, mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça nous correspond? Et à un moment donné, il parle de cet aspect quand il parle, il dit... Al-Qiya fi Jahannam, jetez donc tous deux, donc les deux anges, tous deux, fi Jahannam dans l'enfer, kulla kafarin anid, tout mécréant, négateur, anid, dont la nuque est raide. Kulla kafarin anid, manna'in lil khayri, qui empêche tout bien. Lui, le bien, ça ne sort pas de lui. Et tout ce qui peut advenir de bien pour les autres, il veut l'empêcher.
manna'in lil khayr mu'tadin, criminel athim, et qui est un pécheur invétéré. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Il est celui, c'est celui qui quoi? Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, qui a donné un autre que Dieu, qui a adoré un autre Dieu. Parce que tout ça c'est lié dans le Coran. T'adores, tu es un criminel, tu fais le mal, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Et tu adores un autre Dieu. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. Jetez-le donc dans le châtiment le plus douloureux. Voilà qui ira en enfer. Mes amis, ce n'est pas nous, Inch'Allah. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui jeûnons, ce n'est pas nous qui prions. Oui, on fait des péchés, quelquefois même des graves. Mais on regrette immédiatement et on demande à Dieu de nous pardonner. L'enfer, ce n'est pas pour nous. L'enfer dont on parle, c'est pour celui... Comme un jour le prophète alayhi salam le disait à une femme dit au prophète alayhi salam, tu dis que Dieu nous aime, puisque plus que moi, une mère envers son enfant. Il dit oui. Et la femme dit, est-ce qu'une mère peut jeter son enfant dans le feu? Et le prophète fond en larmes. Et dans ses larmes, il dit non. Non, en réalité, n'entre en enfer que les plus durs des criminels. Voilà qui rentre en enfer. Ce n'est pas le reste des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le reste de l'humanité. Et voilà pourquoi est-ce que moi je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, et je tire ça de mes professeurs, de mes maîtres, l'imam al-Ghazali et d'autres. Oui. Je peux le dire du fond de mon cœur, même juré dessus, la plupart des êtres humains iront au paradis. Contrairement à ce qu'on nous fait croire que la majorité des êtres humains iront en enfer. Non, 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 non. La majorité ira au paradis. Ce sont juste les récalcitrants criminels, corrupteurs de la terre qui vont en enfer et qui iront remplir cet enfer. Al-Mu'in. Donc Dieu est plein de mansuétude. Dieu est plein de miséricorde. Ayez confiance en la miséricorde de Dieu. Ayez confiance en la force de cette miséricorde, en sa puissance, et soyons nous-mêmes miséricordieux pour que nous puissions être à la hauteur de cette miséricorde. L'islam n'est pas un châtiment. L'islam n'est pas une punition. L'islam n'est pas une liste de haram. L'islam n'est pas une liste de châtiments. Il y en a qui ont cet esprit-là, ils disent quand ils lisent le Coran, ils ne voient que des châtiments. On dit, mais moi, je ne vois pas ça, moi. Moi, quand je vois le Coran, c'est plutôt le contraire. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de miséricorde et très peu, très peu, très peu de châtiment. Mais en fait, c'est ton regard à toi qui te fait voir cette chose, ces choses-là. Donc, ça en dit plus sur ton regard et ta vision des choses que ce que le Coran est. Bon, il faut s'arrêter. On pourrait aller plus loin. Il faut donner de la place aux questions. Et on me dit qu'il faut que je respecte l'heure. Donc, on va respecter l'heure, Inch'Allah. Arrêtons-nous ici et on prendra le temps, si Dieu le veut, de continuer la suite de la sourate. Et ce qui viendra après. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos réflexions, vos questions, vos propositions. Je vous remercie. Alors, on a une question qui est posée de la part de Anis Alamrani. Qu'en est-il de celui qui fait le bien et qui ne croit pas en Dieu alors? Son jugement est auprès de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et il sera récompensé pour le bien qu'il aura fait, soit dans ce monde, soit dans l'autre monde. Mais je crois qu'au paradis, il y aura des surprises. Je crois qu'il y aura des surprises. On va se retrouver avec des gens là-bas, on va se dire, mais qu'est-ce que tu fais là, frère? On va dire, ben, écoute, moi aussi j'y croyais, mais je ne lui donnais pas le même nom. Donc, pour le Coran, le bien est toujours lié avec la foi. Et le mal est toujours lié avec la négation de Dieu. C'est, ça va ensemble.
C'est pour ça quand il parle des négateurs qui seront punis, parce que les négateurs, quand ils sont punis, ils ne croient pas en Dieu et ils font le mal. Le bien ne peut être fondé qu'envers, que par rapport à une vision de l'ultime, quelque chose qui est au-delà de toi-même. Et tu lui donnes le nom de Dieu, tu lui donnes le nom de l'au-delà, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de morale en réalité. Il n'y a pas de bien sans que cela soit fondé sur une certaine vision du monde, sur un idéal du monde. Toujours. Conscient ou inconscient. Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. C'est qu'en principe, ils détestent Dieu. Et quelquefois, il leur arrive de faire le bien. C'est vrai. On n'efface pas complètement la nature de l'être humain. Ceux-là seront récompensés dans le monde d'ici-bas et seront jugés au jour dernier. Donc, un bien particulier dans une tonne de mauvaises choses, ce bien sera aussi pris en considération par Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais personne ne sera jugé de façon injuste au jour dernier. Est-ce qu'il y a une autre question, cher Narik ? La foi se façonne donc à l'idée qu'on a de Dieu. Mais craignez-vous pas d'avoir une idée de Dieu qui dépasse ce que Dieu dit dans le Coran ? J'espère que c'est clair. Si c'est toujours dans le sens de la perfection, non. Ça ne dépassera jamais. Notre idée de Dieu ne dépassera jamais ce que, en perfection, ce que Dieu dit de lui-même. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut revenir au Coran, ça dépend. Si à un moment donné, votre idée de Dieu contredit ce que Dieu dit de lui-même, bon là, effectivement, ça c'est mauvais. Mais il faut donc corriger notre idée de Dieu au contact avec sa révélation et sa création. C'est ce qui fait que nous arrivons à corriger notre idée de Dieu. Donc non, je n'ai pas cette crainte-là. L'idée de Dieu en contact de sa création et de sa révélation ne peut en aucun cas dépasser ce que Dieu dit de lui-même dans le Coran. Il s'agit d'approfondir cette idée en observant la création, en méditant sur ses noms. Les noms de Dieu sont autant de clés qui nous mettent dans un rapport personnel avec lui. Voyez-vous ? Et chaque situation, à chaque situation, correspond un nom divin. Et il faut les méditer. Et je vous avoue que c'est le niveau que j'espère atteindre de connaissance, mais pas seulement de connaissance théorique, mais de connaissance intime et profonde. Méditer sur les noms de Dieu et me les approprier pour que je puisse savoir comment invoquer Dieu, comment parler à Dieu dans la situation qui correspond au nom divin utilisé. Et Dieu est le plus savant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, ça va être un peu compliqué. Que pensez-vous des gens qui se disent musulmans, mais qui accomplissent le mal ? Sont-ils vraiment croyants ? Ça dépend de quel mal il s'agit. Tous les êtres humains sont des pécheurs, comme le disait le prophète. Tous les êtres humains font des fautes. Et le meilleur d'entre eux, le meilleur de ceux qui font des fautes, At-Tawwabun, sont ceux qui se repentent. Donc faire le mal, en tant que tel, faire quelque chose de mal, ne disqualifie pas en tant que tel le croyant. Par contre, il y a des péchés qui disent quand même quelque chose de la foi de celui qui se prétend être musulman ici. Ouais. Il y a les 10 grands péchés qui deviennent une habitude constante dans l'attitude de celui qui se dit être croyant, indique qu'il n'est pas vraiment croyant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous, on n'est pas... ce n'est pas une indication pour repérer qui est croyant ou pas. C'est une indication pour repérer si nous-mêmes, on est croyant. Tu passes toutes tes journées à médire, à parler sur le dos des autres, sans vergogne, tout le temps. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui n'a pas vraiment la foi. Là, tu ne crains pas Dieu. Tu as Dieu dans la bouche, mais ce n'est pas ici. Quelqu'un qui passe son temps à voler, la corruption, dans nos pays musulmans, on est champions du monde de la corruption. C'est extraordinaire. Alors que la pratique augmente. La pratique augmente et en même temps, la corruption est toujours là, voire augmente. C'est le signe que, non, il y a un problème ici. La foi n'est pas ancrée. Nous n'avons que les apparences de la foi. L'hypocrisie.
mais nous n'avons pas la profondeur de l'enseignement. Parce que tu ne peux pas croire en Dieu sincèrement et être un corrupteur et détourner l'argent public et voler les gens. Ça n'est pas possible. C'est antithétique. C'est comme l'eau et le feu, quoi. Les deux ne peuvent pas ensemble vivre. C'est soit l'un, soit l'autre. De même, tu ne peux pas à un moment donné être un croyant et faire du commerce avec la prostitution. C'est impossible. C'est-à-dire, tu mets des filles sur le trottoir et tu prends cet argent, tu vas à la Mecque avec. Mais ce pèlerinage-là, ce sera un châtiment pour toi. Là, tu es parti insulter Dieu là-bas avec cet argent sale. Ou pratiquer à tout bout de champ, pas une fois. Pas une fois. Les erreurs, une fois, deux fois, et on regrette, ok, ça arrive. Mais de façon permanente, tout le temps, ça devient ton mode de vie, sans verre d'œil, t'as pas peur. Non, ça va pas ensemble. Et vous? Alors, l'idolâtrie, on n'en parle pas. Le vol, on n'en parle pas. Tuer des gens? On a dit, tu tues des gens. Tu découpes la personne en rondelles dans ton ambassade, normal, et tu peux prier à côté après. Avec de la musique classique. Hein. Si vous voyez de qui je parle et de quoi je parle. On ne peut pas être croyant, c'est impossible de faire un truc pareil. Tu pries. Tu jeûnes et tu tues des êtres humains. Tu n'as pas la foi en Dieu. Tu peux t'appeler Ousmane ou Mohamed ou Ali, prier 10 000 rakats quand tu veux. Si la vie humaine n'a pas d'importance pour toi, tu n'es pas un véritable croyant. Harry, ici, je peux le dire, là, c'est ma fatwa. Tu ne peux pas être un vrai croyant en n'ayant pas, à un moment donné, du respect pour la vie humaine. C'est impossible. Les mecs qui viennent et qui égorgent un être humain en disant « Allahu Akbar oh !» Je ne sais pas de quelle grandeur ils parlent, mais ce n'est pas celle de Dieu. Hein. Ils parlent d'un autre Dieu, c'est leur Dieu à eux, ils parlent d'eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas parler de Dieu et ne pas considérer la vie qu'il a rendue sacrée. C'est impossible. Voyez-vous? Donc, oui, il y a des péchés, il y a des péchés qui, si un musulman les fait, ça indique que c'est, il n'a pas vraiment, il n'est pas habité par la foi. Il a juste les éléments apparents. Mais encore une fois, on peut être un croyant et commettre des péchés. Ça aussi, il faut que on arrête un peu d'être dans la simplicité, quoi, un peu simplicité, un peu béate. Il parle de Dieu, donc il est parfait. Eh non, Harry, si vous attendez que moi je sois parfait pour vous parler, moi je vous parlerai pas. Je ne vous parlerai pas, les amis. Je ne suis pas parfait. Je ne le suis pas. Et je commets des péchés tous les jours. Que Dieu m'en pardonne et m'en préserve. Et je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Maintenant, j'essaye de me préserver. Je fais attention. Mais il m'arrive de tomber et de me relever. Et c'est la même chose pour nous tous. En fait, c'est la même chose pour la majorité des êtres humains, les amis. Donc, il ne faut pas être non plus dans la naïveté. Et moi, j'ai vu à un moment une sorte de naïveté chez les musulmans. Quand il s'est avéré que certains guides ou musulmans sont tombés dans le péché, ils les ont adulés jusqu'à faire d'eux des saints, des anges. Et le jour où on a découvert qu'ils étaient, à un moment donné, ils ont fait des bêtises dans leur vie, on les a lapidés et mis de côté. C'est un signe d'immaturité, ça. Et je vous avoue, moi, les musulmans, ils me font peur. Quelquefois, je préfère même traîner avec des personnes pas musulmanes qu'avec certains musulmans, parce qu'il y a une sorte de naïveté, d'immaturité intellectuelle et spirituelle qui font qu'à un moment donné, on tombe dans des catastrophes. Il ne faut pas faire confiance à 100%. Il ne faut pas non plus maudire à 100%. Il faut avoir un esprit un peu plus complexe. Et ces gens-là qui sont dans cette simplicité-là, sont, en fait, ne sont pas conscients d'eux-mêmes. En fait. Et comme eux-mêmes... En fait, ils sont eux-mêmes dans le péché quelquefois où ils font des erreurs. Ils sont contrits, moi. Il y a des frères à un moment donné. Je les vois, mais même dans leur visage, tu sens qu'ils souffrent, le frère. Astaghfirullah, astaghfirullah, auzubillah, Allah Akbar, frère, calme-toi. Frère, c'est pas comme ça. T'es en train de te tuer pour rien. Ça sert à rien. La foi, c'est plus simple que ça. Faut que tu t'acceptes en tant qu'humain. Je fais des péchés et je demande à Dieu de me pardonner et j'essaye de le remplacer, ces péchés-là, par des bonnes actions. Donc voilà, il y a certains péchés dans leur continuité et dans le fait de le faire année après année indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais la foi n'empêche pas le péché. La foi commande le pardon. On demande le pardon. Vous comprenez? Voilà. Continuons. Salam alaykoum, cher Ousmane Timera. Bon, on va enlever le mot chapitre. Recevez non seulement mes salutations, mais aussi mes admirations exceptionnelles. Ma contribution à la toute première question. Qu'en est-il de celui qui fait du bien, mais ne croit pas en Dieu? Ça, j'ai répondu. Solatolkav dit, voulez-vous que nous vous appreniez lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien? Ah oui, oui. C'est pour ça que je dis encore une fois qu'on ne peut pas juger de façon ultime. Et que Dieu nous guide. Parce qu'effectivement, si tu fais un mauvais choix de vie et que tu mets toute ta vie là-dessus, oui, tu peux te retrouver avec une tonne d'actions qui ne vaudront rien au jour dernier. De façon générale, une action qui n'est pas dirigée vers Dieu n'est pas acceptée par Dieu. On se met ça dans la tête. Voilà. Mais quelqu'un qui fait le bien sera récompensé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, Dieu n'est pas injuste, c'est ce que j'essaie de dire. Vous avez quelqu'un qui, à un moment donné, il a, je sais pas moi, 50 millions d'euros dans son compte bancaire et il décide de donner tout ça aux pauvres. Oh, quand même. Maintenant, pourquoi il faisait ça? Quelle est son intention? Mais il l'a fait sincèrement. Dieu le récompensera d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comment il va être récompensé? Comment les choses vont se passer? Ça, on ne sait pas. Là, ça, ces détails-là, on les laisse entre les mains de Dieu. Mais en principe, celui qui ne fait pas les choses pour Dieu n'est pas récompensé par Dieu. Mais celui qui fait le bien d'une manière ou d'une autre sera récompensé. Comment cela va être procédé? Quelles sont les modalités? Allah a'lam, Dieu est le plus savant. Mais merci à vous, cher Ismaël. Alors, Nari, qu'est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Ah, bon, ben, Anis Al-Amrani, il a déjà posé une question. Hein. Attention, hein. Je ne sais pas s'il t'a payé, Narik, ou pas, mais si t'as payé, j'espère qu'il t'a payé bien cher. Le Coran dit, il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Que signifie ce verset? Sachant que Dieu égale celui qui mérite d'être adoré, j'ai l'impression que ce sens n'est pas approprié à ce verset. Ben, le passage est clair. Il est Dieu, aussi bien dans les cieux comme sur la terre. Il n'y a pas un Dieu spécifique pour la terre, il y a un Dieu spécifique pour les cieux. Il n'y a pas les dieux du ciel, comme Uranus, et les dieux de la terre, comme Gaïa, pour reprendre la mythologie grecque et romaine. Donc, il est Dieu, le digne d'être adoré, aussi bien dans les cieux que dans la terre. Et Dieu est puissant. Ousmane, ça c'est Kiriman Jaro. Ok. Ousmane, qu'en est-il des chrétiens, sachant que le Coran dit clairement que la Trinité c'est du coufre, de même que croire que Jésus est fils de Dieu et du coufre? Ça, c'est en fait, à l'initial, ça faisait partie des questions que je voulais traiter pendant ce Ramadan. Et puis à un moment donné, quand j'en parlais avec mon équipe, j'ai oublié de le signaler, parce que je voulais traiter la question de l'esclavage, la question de l'usure, la question des femmes. Ensuite, j'avais parlé de la question de l'islam cosmique. Mais en fait, ce que j'avais en tête, c'était la question des chrétiens, des juifs et des chrétiens, paradis, pas paradis. Parce que ça aussi, il faudrait le traiter de fond en comble. Mais on verra si je peux le glisser à un moment donné. Il faut lire le Coran là-dessus. Dire qu'il y a trois dieux, c'est du kufr. C'est de la négation de Dieu. Dire que Dieu a un fils, c'est la négation de Dieu. Ça, il n'y a pas de tergiversation. Maintenant. Comment est-ce que chacun des gens du livre, juifs et chrétiens, notamment chrétiens ici, a hérité de cela, a questionné cela? Comment cela était-il central dans sa vie? A-t-il été fidèle par ailleurs? Quelle interprétation il met derrière ce terme de fils de Dieu? Et est-ce que il s'en est tenu à la voix de Jésus ou à la voix de Moïse, en faisant le bien, en croyant en Dieu, en faisant le bien, en croyant au jour dernier, comme le dit le Coran, il ira au paradis. Donc, maintenant, le jugement particulier sur chaque individu,
Ça, c'est entre les mains de Dieu. Juif, chrétien, sabéen ou autre, celui qui croit en Dieu, celui qui croit au jour dernier et qui fait le bien, il y va au paradis. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et les musulmans ne veulent pas entendre cette vérité. Ça, ça leur fait mal. Comme s'il n'y avait pas de place dans le paradis. Je ne comprends pas. Il y a de la place pour tout le monde, les amis. Cependant, celui qui nie Dieu, qui nie le jour dernier et qui ne fait pas de bonnes œuvres, il va en enfer. C'est la règle générale. Et cela s'applique sur tout le monde. Juifs et chrétiens qui réunissent en eux ces trois critères vont au paradis. Juifs et chrétiens qui ne réunissent pas en eux ces critères-là, Dieu les jugera et verra de quoi il s'agit. Maintenant, en principe, dire que Dieu a un fils qu'il y a trois dieux, c'est du coup. Dans l'application sur les individus chrétiens en tant que tels, ça c'est entre les mains d'Allah. Parce que les chrétiens, il y a plusieurs groupes, plusieurs sectes, plusieurs compréhensions, et ce n'est pas très clair dans l'esprit de beaucoup de chrétiens cette question. Voilà ce que je peux dire là-dessus, et Dieu est le plus savant. Mais je voudrais que je fasse une vidéo vraiment là-dessus, même un écrit vraiment là-dessus, où voilà, je donne mes arguments là-dessus. Il y a des gens qui, à un moment donné, me sortent de « L'écoutez pas, il dit que les juifs et les chrétiens iront au paradis. » Les musulmans sont tombés dans un piège théologique que je ne saisis pas, que je ne comprends pas, mais qui est en fait de l'ordre du sectarisme. Et ça, ce sont des interprétations idéologiques qui sont au fond une réponse par rapport au conflit qui existait entre juifs et chrétiens à un moment donné chez les musulmans. Ouais. Mais ce n'est pas coraniquement fondé. Bon, je pense qu'il est l'heure, hein. Je réponds à une dernière question. Et Inch'Allah, on s'arrêtera là. Ah, Arita Kaneko. Ousmane, comment répondre à un argument de certains athées qui est repris par le personnage de Sig dans l'attaque des titans? Je suis féru de manga. Il aurait mieux valu ne pas exister. C'est profond, l'attaque des titans. Alors, mis à part les gens qui sont croqués, c'est un peu horrible, mais c'est assez profond. Et mon ami, le frère Narik et moi, on réfléchit, je l'avais dit à un moment donné, sur une série de vidéos qu'on dédiera à la question de l'existence de Dieu, des preuves de son existence, des preuves de sa présence et de la raison d'être du monde. Mais en gros, il aurait mieux valu ne pas exister, c'est une parole nihiliste, c'est une parole de la négation justement. Parce que la négation, et voilà pourquoi est-ce que le Coran combat le kufr, la négation, c'est parce que la négation, c'est la négation du sens de la vie. Et si la vie n'a pas de sens, si notre existence n'a pas de sens, à quoi bon faire le bien? Si la vie n'a pas de sens, à quoi bon exister? C'est refuser même l'existence en tant que telle. Vous imaginez? Aucune civilisation, aucune existence, aucune construction ne peut se fonder sur une telle conception du monde. C'est une conception nihiliste. Et heureusement que la majorité des êtres humains, même de façon instinctive, n'adhèrent pas à cette vision-là. De façon générale, on sent qu'il y a quand même un sens à cette vie. Quel est le sens de cette vie dans l'exactitude? On ne sait pas trop, on peut se tromper. Mais on aspire à donner un sens à cette vie. Pourquoi est-ce qu'on aspire à donner un sens à cette vie? Parce que c'est ancré en nous. Nous avons le besoin de donner du sens à la vie. Sinon, on meurt. Voyez-vous? Et c'est pour ça que dans l'attaque des titans, Sig et ce personnage si cynique, prêt à massacrer tout un peuple. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi avec le héros du film. Mais c'est intéressant cette question-là. Elle est fondamentale et nos amis athées, c'est ce à quoi on doit les mettre en face. L'athéisme n'est rien d'autre que la destruction du sens du monde. Et dire qu'il y a plusieurs dieux, c'est une forme d'athéisme. C'est au fond dire qu'il n'y a pas de sens qui va au-delà de ce monde. C'est réduire le sens du monde au monde lui-même. Or, le monde a besoin d'un... Quand vous êtes sur un chemin,
Vous ne réduisez pas le sens à vous-même, sinon vous n'avancez plus. Il faut que le sens de votre chemin soit au-delà de vous pour que vous puissiez continuer. Le sens du monde doit être au-delà du monde. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Le monde ne peut pas évoluer. C'est pour ça que Dieu est toujours plus grand. Et vous comprenez le sens donc de la révélation. Quand on parle du tasbir, de la glorification de Dieu, de sa toute transcendance, c'est pour donner un sens au monde. C'est pour nous donner un sens à nous-mêmes. Sinon, c'est l'attaque des titans. C'est-à-dire, on se bouffe entre nous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je pense avoir répondu à toutes les questions? Il est 15h35. On va essayer de respecter les heures. Je l'ai promis plus ou moins. Donc, on va s'arrêter là, en rester là, Inch'Allah. Préparez vos questions ou vos interventions ou vos commentaires. Je les lis hein, pendant que je parle, je regarde vos commentaires. Bon, il y en a certains, je les lis en diagonale. D'autres qui m'interpellent peuvent m'aider à approfondir ma discussion et mes réflexions. En tous les cas, je vous remercie du fond du cœur de votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la regarder, à la re-regarder et à vous abonner. Je n'aime pas souvent demander aux gens de s'abonner à ma chaîne, mais je pense qu'il faut le faire parce que je veux vraiment que notre travail grandisse et ça vous coûte rien de liker, de partager et faire grandir cette communauté, c'est faire grandir la cause que nous défendons et cet islam cosmique, miséricordieux, universel que nous voulons propager au sein de la communauté musulmane et que nous voulons propager au sein de toute l'humanité. Nous sommes ensemble et je ne suis rien sans vous et nous ne sommes rien sans Dieu et que Dieu nous imbibe de sa miséricorde. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous protège et à demain si Dieu le veut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.